t'es enceinte. J'apprends finalement que le gars, il vit avec quelqu'un chez lui. Donc, il vit avec quelqu'un chez lui, il a des enfants. Je lui dis, mais comment tu veux faire un coup pareil et tout, voilà. Il me dit oui et tout, voilà. Ma chérie, s'il te plaît, faut abréger, parce que de toute façon, tu as commencé ton histoire en 2014. Là, on est en 2022, c'est que c'est pas maintenant, ça va finir. Donc, faut commencer à partir de 2021, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, coach. Donc, oui. Et tout, on vivait ensemble et en étant tout le temps ensemble, oui. je connaissais sa situation. Oui. On a commencé à vivre, il a fait à ce que je puisse avoir mes papiers, il m'a même pris une maison où il payait bien éventuellement et tout. Mais après, moi également, j'ai eu mes papiers, j'ai été indépendante. Oui. Et avec lui, en fait, rien ne marche. Tu vois, coach, oui. C'est toujours des problèmes. Soit il ne veut pas faire la part des choses, oui. Ou il n'est pas là. C'est vrai qu'il vient souvent passer les nuits et les jours chez moi.